Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est le Samos Spita, vous êtes sur la chaîne 2, monsieur le Rissor 225. Voilà, donc pour ceux qui viennent juste de me voir, essayez de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ici, je donne des informations sur des bourses et puis on essaie aussi de les aider, de vous aider à pouvoir postuler à ces bourses. Voilà, dans ce domaine, nous avons assez d'expérience, donc c'est pas un souci. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, ils peuvent nous contacter inbox. Voilà, donc. Ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que pour ceux qui ont toujours voulu de la bourse des États-Unis, voilà, il y a l'université du Nebraska qui a ouvert le bal pour le Spring 2021. Donc, la date limite, c'est le 15 octobre. Alors, pour ceux qui sont vraiment intéressés, il vous suffit juste de pouvoir postuler, de suivre la vidéo et de postuler. Sachez que ici, je donne des informations sur les bourses, quelle que soit la bourse, même si elle est partielle, même si elle est complexe, voilà, je donne des informations. Et ça va dépendre à l'étudiant de voir comment est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire de cette information et tout ça. Voilà. Et si vous avez des soucis, essayez de poser aussi des questions en commentaire pour que je puisse vous aider à pouvoir les répondre, pour que je puisse un peu vous éclairer. Voilà. Donc, dans un premier temps, d'abord, ce que je voulais dire dans un premier temps, avant de pouvoir postuler à cette bourse, je voulais donner un peu de rappel pour ceux qui ont reçu. Il y a au moins 98% des étudiants qui ont postulé à la bourse de Russie qui ont reçu comme ça des messages d'une préparation ou bien d'une ouverture des frontières de la Russie et qu'ils devaient comme ça s'apprêter en ce qui concerne le vaccin du Covid pour pouvoir se vacciner et venir en Russie. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que ces informations, je ne dirais pas qu'elles sont fausses parce que ça vient de la Fédération de Russie à tous les étudiants qui ont postulé pour la bourse. Voilà. Mais ces informations aussi concernent directement ceux qui ont eu déjà l'ouverture avec le gouvernement russe. Voilà, donc pour ceux dont les pays n'ont pas encore eu d'ouverture, voilà, ils vont attendre. Et lorsque vous allez avoir, votre pays aura l'ouverture avec la Russie, voilà, vous allez maintenant utiliser les informations que vous avez reçues pour pouvoir postuler et pour pouvoir venir y étudier. C'est ce que je vous dis, forcément, cette pandémie va disparaître. Donc, forcément, ceux qui ont déjà reçu les bourses vont venir étudier. Voilà, donc ne vous pressez pas, soyez calme. Et puis, ceux qui ont reçu, encore mes félicitations. Maintenant, ceux qui n'ont pas reçu, c'est pas un problème. La bourse sera lancée d'ici novembre. Vous allez commencer aussi à postuler. Et n'oubliez pas qu'il y a déjà une génération qui est là-bas encore au pays. Donc, c'est un peu ça. Donc, en ce qui concerne la bourse de Russie et le message que vous avez reçu, ça concerne directement ceux qui ont déjà l'ouverture avec le gouvernement russe. Voilà, donc revenons à nos moutons. C'est en ce qui concerne la bourse du Nebraska. Donc, la bourse du Nebraska, les documents qu'il faut pour pouvoir postuler, ce sont les mêmes documents. Voilà, le passeport, le relevé, voilà, et puis une lettre de recommandation, une lettre de motivation. Voilà, et. Donc, nous allons pouvoir essayer de faire quoi? Dans un premier temps, de postuler en ligne et d'abord de s'inscrire sur le site. Et lorsqu'on va finir de s'inscrire sur le site, on va chercher maintenant l'admission. Et après l'admission, on va essayer de postuler pour la bourse. Mais dans un premier temps, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais essayer de faire quoi? De scinder. Je vais essayer d'abord de m'inscrire sur le site. Quand je vais finir, je vais faire une deuxième vidéo pour chercher l'admission. Et ensuite, on va vous montrer comment est-ce que vous devez chercher la bourse après l'admission. Donc les gars, n'oubliez pas, c'était moi le Samos Spita, donnez-moi une pouce bleue, voilà, pour ceux qui veulent me partager mes vidéos, voilà, pour ceux qui veulent partager mes vidéos, c'est pas un problème, ça me fera vraiment plaisir, essayez de partager mes vidéos, et à tout à l'heure les gars, on y va. Allez, salut, salut, voilà, comme je vous avais dit d'abord au début,
Donc, ici, c'est quoi? C'est l'université du Nebraska, donc aux États-Unis. Donc, pour tous ceux qui sont vraiment intéressés, c'est le moment de postuler. Ceux qui ont attendu cette bourse pendant longtemps, voilà, elle est disponible maintenant. C'est une bourse d'entrée, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous postulez en même temps que la bourse et en même temps que votre admission pour la rentrée. Donc, la date limite, c'est le 15 octobre. Donc, faites l'effort de pouvoir postuler. Voilà, c'est la même chose, rien n'y change. Dans un premier temps, vous allez d'abord essayer comme ça de vous abonner sur les sites. Voilà. Et dans un second lieu, vous allez maintenant postuler à leur bourse. Voilà. Donc, c'est vrai que la bourse ici, elle n'est pas vraiment, je dirais, totale parce que c'est une bourse qui prend seulement en compte que la scolarité et non les éléments extérieurs à la scolarité, c'est-à-dire les voyages et tout ça, non. Donc, si vous voulez postuler, il n'y a pas grand-chose. Les informations que je donne, c'est juste vous montrer le site. Voilà, moi j'aimerais bien vous montrer le site pour que vous-même vous puissiez postuler. Et dans un premier temps, d'abord, on va essayer de faire quoi? On va essayer de s'inscrire sur le site et aussi prendre quelques informations par rapport au site. Un instant que je traduis un peu en français pour voir ce que ça donne. Voilà, pour que tout le monde puisse être au même niveau. Voilà. Donc, j'espère que ça sera en français. Bon, même si c'est pas en français, je vais essayer de vous aider un peu. Alors, c'est pas un problème. Donc, ici, quelles sont les conditions de la bourse? Voilà. Donc, ici, si on clique là, les conditions de la bourse. On dit ceux qui viennent nouvellement, ou bien par transfert, ou bien par. Pour ceux qui viennent pour la licence des étudiants étrangers, d'abord il faut être étudiant étranger. Voilà, et ici il faut être enrôlé à l'université du Nebraska en full time, c'est-à-dire pour un apprentissage complet. Voilà, et il faut être éligible et avoir un degré de bachelor, c'est-à-dire bon, ici quand ils mettent bachelor, c'est pour ceux qui viennent pour le master. Voilà. Et ici, scholarship amount will be based on enrolling status at the end of the first week of class. The amount will be adjusted if a course is dropped during the institution refunding period. Donc ici, on vous dit que les histoires, les fonds de la bourse seront reconnus ou bien seront calculés pour la première. Lorsque vous allez commencer les cours là-bas, pour la première semaine de cours. Voilà. Donc, scholarship does not apply online degrees, degree program or graduate course. Scholarship does not apply to online degree. Donc, ici, maintenant, ceux qui vont étudier en ligne, eux, ils n'auront pas de bourse. Voilà. Donc, si vous voulez étudier en ligne, vous n'allez pas avoir de bourse. Et c'est scholarship for all international students. Donc, voici les deux scholarships que vous pouvez postuler pour cette bourse d'abord. Et si vous finissez, pour cette bourse, qu'est-ce que vous allez faire? Must be international at university. Donc, ici, pour cette bourse, la première condition, il faut être étudiant étranger. Et la deuxième condition, il faut être enrôlé, pourquoi? Pour 4 ans dans un programme de master. Voilà. Et ici, preference will be given to those planning to make career on humanitarian work. Bon, ça c'est pas très important, mais ici on dit qu'il y aura par exemple comme ça ceux qui seront privilégiés un peu, c'est ceux qui vont travailler dans le travail humanitaire. Vous comprenez? Travail humanitaire, ceux qui vont être peut-être dans le service de la Croix-Rouge, le service de l'État, en tout cas vous comprenez, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et ensuite, il y a la bourse de quoi? Du Rotary. Voilà. Et il y a la bourse de l'excellence ici. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ici, c'est pour ceux qui sont déjà là-bas, ceux qui sont déjà inscrits là-bas dans l'université. Donc, là, vous n'avez pas de problème avec. Donc, dans un premier temps, pour pouvoir le faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord s'inscrire sur le site. Voilà. Et une fois qu'on finit s'inscrire sur le site, maintenant on va chercher maintenant à postuler pour la bourse. Donc on va aller un peu rapidement s'inscrire sur le site et puis voir ce que ça donne. Donc on y va les gars. Donc pour s'inscrire sur le site, vous allez cliquer sur apply. Voilà, et vous allez choisir
licence master ou bien doctorat. Voilà. Et si je prends par exemple la licence, je vais cliquer sur undergraduate. Et de là-bas, je vais essayer de m'abonner ou bien de m'inscrire sur le site. Voilà. Donc ici, undergraduate application options, select appropriate undergraduate options. Donc ici, undergraduate seeking. Donc c'est pour ceux qui cherchent à faire la licence. Donc vous cliquez là. Voilà. Et ici, on vous demande, have you graduated or will you graduate from the high school locality in Nebraska? Donc vous mettez non. On vous demande est-ce que vous êtes déjà gradué ou bien vous allez avoir un diplôme à l'université de Nebraska. Vous mettez non. Voilà. Do you currently reside in the state of Nebraska? Est-ce que vous vivez actuellement au state du Nebraska? Vous mettez non. Voilà. Et vous cliquez sur continue. Voilà, donc ça c'est pour juste d'abord permettre à créer son compte. Voilà, vous voyez ici, vous allez créer votre compte. Maintenant, ceux qui ont déjà le compte, vous allez venir ici, sign in, pouvoir continuer. Maintenant, créer le compte ici. Donc, je vais d'abord créer le compte et une fois qu'on finit, on va maintenant chercher à postuler à la bourse dans un deuxième temps. Voilà, donc ici. Pour créer le compte, create an account, investir en votre application username. Donc, vous mettez le username, vous allez mettre ce que vous voulez. Moi, par exemple, ici, je vais mettre par exemple username. Ok, putain. Et en second lieu, c'est l'adresse email. Je vais prendre l'adresse du compte. Ok, je vais prendre mon adresse email. Ok, après ça, le password, vous créez votre password. Voilà, mais moi je préfère beaucoup lorsque ça commence par une lettre majuscule. Donc vous pouvez commencer par une lettre majuscule. Ok, on va confirmer ici. Ok, on va essayer maintenant de valider ça. Donc ici, ok, il y a un robot. Ça c'est en russe, ne vous inquiétez pas, c'est parce que mon système est en russe. C'est pour cela que vous voyez les éléments en russe là. Donc créer account, on va voir ce qui se passe. S'il y a un souci, ils vont nous dire. J'enregistre. Donc, comme si vous voyez bien ici, on dit quoi? Registration successful, please use your credential to login. Donc, moi j'ai déjà enregistré. Voilà. Donc, une fois que c'est fini, je vais aller directement. Vous pouvez vérifier aussi dans votre mail si vous avez reçu un message. Voilà. Je vais directement faire un sign-in. Cliquer sur sign-in directement, voir. Pour que je puisse aller sur mon compte et chercher à avoir une admission et aussi postuler à la bourse. Voilà, donc c'est ce qui est là. Ça, c'est pour avoir l'admission. Vous comprenez ici? Ici, c'est pour avoir l'admission. Vous comprenez? Voilà, donc dans un premier temps, je vais m'arrêter d'abord ici et faire une deuxième vidéo pour pas que la vidéo soit trop longue et faire une deuxième vidéo pour pouvoir chercher, pour pouvoir vous montrer comment est-ce qu'on peut postuler pour avoir l'admission. Voilà, on fera pas à pas. Donc les gars, c'était moi de Sam Hospital. À tout à l'heure pour une deuxième vidéo. Regardez en description, vous allez voir le lien de la deuxième vidéo et puis vous allez pouvoir continuer. Voilà, donc à tout à l'heure les gars.